Bonjour Fred, je vous présente aujourd'hui la lampe Loop Daylight que j'adore, que vous connaissez depuis un bon moment d'ailleurs. Ça fait un petit moment que j'avais tourné une vidéo dessus, elle a été un petit peu modernisée. Donc je refais quelques gros plans, vous allez voir l'usage de cette lampe Loop, c'est super. Elle est magnifique, elle doit faire partie de votre atelier. On regarde tout de suite le détail. Voilà donc cette lampe Loop en gros plan, voilà l'emballage, donc ça on peut s'en passer. Je voulais aussi que vous la voyez avec les proportions humaines, avec les mains, pour voir les dimensions réelles. Donc alimentation sur le secteur, des articulations à chaque point. Ici, eh bien, ce que ça qui est génial, c'est une fonction éclairage. Je vais la brancher quand même pour vous montrer ça. Voilà, une fonction éclairage classique d'une lampe, hein, avec un néon de cette manière-là. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que quand vous ouvrez cette petite fenêtre-là, vous avez une loupe qui vous permet de regarder à la loupe tout ce qui se trouve dans l'objectif et en plus qui est éclairé. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Avec un très très faible encombrement, ça vous permet d'avoir voilà, d'avoir un confort de travail et un agrandissement de ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être de la lecture, ça peut être des travaux de précision artistique, de peinture, ça peut être, je vous l'ai dit, de la lecture, voilà, pour aller lire un certain nombre d'informations, de la couture, enfin, tout ce qui nécessite des travaux de précision. Voilà. Donc, tout ça très très costaud, très solide, avec un encombrement minimum. Voilà, tout est dit. On Bon, passe. voilà, on a fait le tour, j'espère que je vous ai convaincu. Moi, je l'aime beaucoup, elle est robuste en plus, et ça me va bien, les produits robustes. Elle est réglable, comme je vous ai montré, voilà, elle a tout ce qu'il faut. Vous trouverez bien sûr tous ces détails techniques sur la fiche produit. Puis nous, on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres découvertes.